manque à la maison, la beauté, mon Geneviève, mon douce, charmant Geneviève. Peut-être je rentrerai chez moi d'abord. Non, je rendrai visite à Geneviève d'abord. Je la verrai et la prendrai ensuite à ma maison. Oui. Mais avant, je la vois. Je veux la tourner. Je pense qu'elle est toujours fâchée avec moi. Elle ne m'a pas écrit, mais je sais qu'elle m'aime et elle me manque. Autant que je l'aime et je la manque. Je me demande, où est la bijouterie la plus proche? Excusez-moi, madame. Oui? Où est la bijouterie la plus proche? Continuez à marcher jusqu'à ce que vous voyez le café. Prenez ensuite une gauche et vous verrez un panneau qui dit Cassard. Merci, beaucoup. Et vous n'avez jamais entendu dire de Cassard? Tout le monde en Cherbourg le connaît. Ah, alors, je suis très enthousiaste pour le rencontrer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mon nom est Roland Cassard. Qu'est-ce que je suis à votre service aujourd'hui? Qui vous cherche? Vous achetez une bague. Tiens, j'aime souvent quand c'était moi. Est-ce que vous étiez nouveau? Quand nous nous sommes d'abord rencontrés, mais n'est pas été sûr. Mais quand j'ai passé du temps avec elle, je me suis rendu compte que cela n'a pas d'importance. Je l'aime et cela m'a donné le courage pour demander ce même démarrage. Je sais que je suis en retard, mais félicitations. Je suis chanceux d'être avec elle. Elle est si merveilleuse, mais aussi parce qu'elle est mon âme sœur. Je suis béni. Et vous? Elle dira que oui, je suis certain. Elle m'aime et je l'aime. Je suis juste revenu de la guerre, donc je voudrais la surprendre. Vous étiez nerveux? Pas du tout. Comme vous, je suis aussi chanceux. Elle est mon âme sœur. Peut-être celui-ci. Elle l'aimera. Comment vous le saviez? Mon femme et votre future femme ont le même goût. J'espère que nous nous rencontrions. Nous pouvons tous aller au dîner une nuit. Ce serait mon plaisir. Merci. Au revoir, monsieur. Fouché. Au revoir. Je t'aime, Geneviève. Épousez-moi. Reviens, mon amour. Qui? Tu es ici, je pense. Je ne sais pas. Aussi longtemps, je ne sais pas comment dire ceci. Mais je suis heureuse de te voir. Mais tu dois savoir et comprendre. Parce que tu étais à la guerre pour si longtemps. Je suis ici maintenant. Nous sommes ici ensemble. Je t'aime manque, mais tu le sais. Geneviève, ça c'est merveilleux de voir ton visage. Je pense que je suis parti il y a 1000 ans. Mais je ne suis jamais parti parce que la moitié de moi était toujours avec toi. Guy, tu dois savoir, je l'aime, mais... Et je l'aime. Je serais venu te voir plus tôt, aussitôt que je suis arrivé. Je ne suis pas venu ici d'abord parce qu'il y avait quelque chose que j'ai voulu acheter pour toi. J'ai sauvé mon argent pour toi. J'ai su avant la guerre quoi j'ai voulu pour nous. Guy, tu ne peux pas faire cela. Un moment, s'il vous plaît. Tu as chaque raison d'être fâché avec moi. Je t'ai quitté pour la guerre. Je sais que vous étiez fâché avec moi quand vous avez arrêté de répondre à mes lettres. Mais Geneviève, je t'aime et tu m'aimes. Qui? Geneviève, je pense que j'étais heureux, mais puis je te rencontre. Quand je t'ai rencontré, je me suis senti si content. Parce que je t'ai rencontré, je comprendrai l'amour et la joie. Je t'aime tellement. Toujours en guerre, je t'ai pensé. Je veux que nous partageons notre amour avec tout le monde maintenant. Geneviève, épouse-moi.
S'il te plaît, faites-moi l'homme le plus heureux dans le monde. Jean-Pierre! Guy, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, qui est cet homme qui parlait avec maman? Il est un vieil ami de ta mère, mon chéri. Ils ne sont pas plus amis, pourquoi? Alors, il était appelé à l'armée, il a fait la guerre, donc il était parti depuis longtemps. Pourquoi est-il parti? Il a dû. Es-tu allé dans l'armée, papa? Oui, mais avant, j'ai rencontré à ta mère. S'il était resté, il serait encore amiable avec maman? Oui, mais puis ton père n'aurait jamais rencontré ta mère. Et je ne serais pas née? Alors, c'est bon que cet homme et ta mère ne sont plus amis. C'est vrai, je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon chéri. C'est une chose bête, mon fils. Oui, mais c'est encore le mot. Tout amour est fou jusqu'à ce qu'elle dure. Ta famille t'aime beaucoup. Oui, je suis tellement béni. Je suis très heureuse que vous retourniez. Je sais que vous êtes solitaire. Je manque votre temps aussi. Elle est comme une mère pour moi. Je l'ai aimée, vous. Je vous aime beaucoup. Et c'est pourquoi j'écris cette lettre aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit comment je me suis sentie. Maintenant, elle vous a quitté et tout de même. Je ne peux pas vous dire comment je me sens. Parce que je sais que vous aimez toujours Geneviève. Et je ne peux pas que vous confondiez votre amour pour elle avec quelqu'un d'autre avec moi. Je ne peux pas entendre toujours parce que je me sens comme si je vous ai entendu pour toujours. J'ai décidé d'aller à Paris. Je veux trouver une nouvelle vie là et de nouvelles personnes. Ne pensez pas que je vous quitte. Je suis toujours ici quand vous avez besoin de moi. Mais je veux faire ce qui est juste pour moi. Je veux vivre ma vie. Je vous aime, mais je vous l'aimais. Peut-être vous n'arrêtez jamais de l'aimer et je n'arrêtez jamais de vous aimer. Je continuerai à vous écrire et si vous voudriez m'écrire, s'il vous plaît. Vous me manquez déjà, Guy. Je t'embrasse, Madeleine. Je les manque beaucoup de quelques ces mois passés. Je les manquais aussi. Tu avais raison. J'ai aimé Geneviève tellement que je ne pouvais pas voir combien tu m'as aimé. C'est pourquoi je suis partie. Mais tu ne devrais pas avoir parce que je l'aime. Tu étais toujours là pour moi. Je veux être avec toi. Es-tu sûr? Je sais dans mon cœur que nous sommes censés être ensemble. Je sais que je l'aime et je voudrais t'épouser. Épouse-moi? Oui, épouse-toi et être heureux. Oui. Père est admirable, François. Tu as de la chance. Vraiment, quand il était jeune, il s'occupait de moi. Il a travaillé tous les jours à la station essence. Quand il est parti pour la guerre, j'étais si triste. J'étais si malade, mais il est retourné. Et cette fille Louis a dit qu'elle attendait. Il avait le corps brisé. Puis Madeleine est partie et il était seul. Mais il était avec moi. Il a travaillé si dur pour ouvrir une nouvelle station de service. Maintenant, il est réussi et heureux. Je suis your connaisse. Bon, on rentre à la maison. Bientôt, Françoise. Tu dois être reconnaissant pour ton père. Il travaille si dur pour si longtemps. Je suis. Où est-il? Il est presque l'heure pour le dîner. Voilà, il est ici. Comment ça va, mon chéri? Bonjour, papa. Où étiez-vous? Je ne commence plus voir à Cherbourg. J'ai dû acheter une parapluie. Okay, you guys are talking. Je me demande.
Quiet on. Oui. Oui, le plus pro. Je suis français. I remember we broke up the first time saying this is it, I've had enough. We haven't seen each other in a month. When you said you needed space, when you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right.